C'est vrai que dans la littérature, dès le début du XXe siècle, on trouve cette idée que les guichets des services publics, c'est trop l'endroit poussiéreux, vermoulu, démodé. Alors c'est vrai, hein, on ne dit pas le contraire qu'en termes de déco, le service public moyen, ce n'est pas le siège d'Apple. En revanche, ce qu'on essaye de rappeler, c'est qu'il y a plein de services publics qui ont été modernes, éventuellement avant le privé, ou qui sont encore aujourd'hui plus modernes que le privé. Alors peut-être l'exemple évident qui vient en tête aujourd'hui, c'est les hôpitaux. Si vous voulez, des soins de pointe en France, ça se passe en centre hospitalier universitaire. Et on cite dans le bouquin la situation d'une personne qui se retrouve en réanimation chirurgicale après une opération de routine dans une clinique privée. Et les soignants, ils ont un mot pour ça, en fait, parce que ça arrive souvent, ils parlent d'extraction de milieux hostiles. Et dans un genre très différent, on cite le Conservatoire du Littoral, qui achète des terres pour le compte de l'État, de façon à ce qu'on puisse se balader sur les sentiers littoraux, mais aussi de façon à ce que les dunes puissent être en mesure de se reconstituer. Alors si vous promenez dans d'autres pays, vous voyez, un, on ne peut pas se promener, deux, la lutte contre la montée des eaux, c'est des grosses digues en béton. Et paradoxalement, parce que la France n'était pas méga écolo globalement en 1975, mais le Conservatoire du Littoral, c'est cette capacité de certains hauts fonctionnaires d'écouter certains militants écolos